Salut tout le monde, c'est Artalpha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci on est là pour découvrir le mode Battle Royale de Battlefield 5, donc qui s'appelle Firestorm. Donc déjà j'ai vu, là j'ai lu un peu c'était à quoi un peu la description du mode de jeu. Donc déjà ça change pas mal parce qu'il y a déjà la tempête. C'est pas genre la tempête comme dans Apex ou dans Fortnite, c'est plus une tempête de feu. Donc déjà ça change pas mal. Après à voir maintenant comment ils ont fait ça à la sauce un peu Battlefield, parce que les armes, est-ce qu'il y a des styles de rareté qu'il y a déjà sur Apex ou Fortnite, voir les accessoires aussi, comment on peut faire ça, et surtout voir la map, parce que là quand je vois comme ça on dirait que c'est un peu enneigé et que je peux envoyer la tempête de feu. On va voir comment c'est. Bon, j'ai regardé quand même le trailer, voir un peu comment c'était le Battle Royale. Bon, je ne suis pas non plus spoilé à fond, j'ai juste fait une petite partie avant et je suis mort directement. Voilà. Donc c'est allé assez rapidement, j'ai pas pu vraiment découvrir parce qu'en fait j'avais même filmé, mais je me suis fait tuer directement. Voilà, donc là du coup on est dans le hangar avec l'avion, donc c'est stylé parce que oh les STG. Donc là c'est déjà, on peut voir que c'est vert en bas à droite. Donc est-ce que ça change de mouvement? Là c'est bleu, pourquoi c'est bleu ici? Pourquoi c'est bleu? Ah t'es parce qu'il y a un viseur. Pensez pour ça parce qu'il y a un viseur. Peut-être au niveau rareté et du coup pour les accessoires. Par exemple genre là du coup c'est un viseur, du coup c'est bleu. Après, ça peut changer, genre ça peut être deux chargeurs ou des trucs comme ça. Ok c'est stylé. On va voir maintenant comment ça va donner. Du coup comme je dis, j'ai pas vraiment trop vu. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre aussi? Ouais c'est stylé aussi dans le hall parce que vous allez voir juste à la fin. Enfin. Quand on va commencer à s'élancer, il va y avoir un hangar qui va s'entrouvrir. Avec on va être dans le noir et tout, c'est stylé. C'est stylé. Après, comme j'ai dit, à voir. Bon, écoutez, de toute façon, là, on est à la recherche de personnes, donc on se retrouve juste après dès qu'on a trouvé. Enfin, dès que la partie se lance. Donc, let's go, du coup. Ça y est, on a trouvé du monde. Ouais. On est plongé dans le noir avec des sortes de sirènes rouges. Et la porte du hangar qui s'entrouvre. Donc, voilà, donc, du coup, là, il y a la map. Donc c'est déjà délimité, c'est ce que j'ai remarqué. Donc je pense pas vraiment qu'on peut, parce que de toute façon il y a du feu. Donc vous voyez, tout autour il y a du feu, et voilà, on va pas aller par exemple là-bas alors qu'on aurait pu quand même. Voilà, donc c'est déjà délimité. Donc on a quand même un peu plus de temps je suppose pour stuff. Et aussi j'ai oublié de dire, on est 64 dans la game. Donc voilà, à voir s'il y a du monde ou pas, après ça dépend bien sûr d'où on spawn. Moi perso je vais spawn un endroit tranquille, vraiment, genre il y a 2-3 maisons, tu vois, pour pas que j'ai d'ennui. Non mais parce que voilà, j'ai pas envie de j'ai pas envie de mourir tout simplement. Hop, on va sauter. Let's go. J'espère qu'il y a personne. Hein. Ah, peut-être se calmer un peu sur la porte. Ok, fusil d'assaut, normalement. On prend tout, on prend tout. Quoi, j'ai 3 armes. Ah ouais, je suis bien équipé. Hein. Donc ça c'est une coup par coup si je dis pas de bêtises. Ça sort de pompon. Ouais, moi je partirais plus sur Sony Sten en vrai. Ok. On va aller ici, qu'est-ce que c'est que ça? Une mine, bon on s'en fout. Ah du bleu. Ils sont de bazooka? Ah ouais, on a carrément un bazooka. Oh là là. Ça, on va prendre hein, au cas où. Je sais pas s'il y a des véhicules, ça si ça, je sais. Alors là, du coup, on a des plaques. Là, je vois qu'on a 0 du coup, ok. Et là, on a 50. Est-ce que je peux être à 100? Non, je peux pas être à 100. Ok, donc c'est jusqu'à 50. Bon, toujours bon de savoir. Hein. Donc on peut monter jusqu'à 50 de blindage. Là du coup on a fouillé, là on est dans le coup par coup. Tempête de feu imminente dans 1 minute 54. Ok. Alors, est-ce qu'on... je regarde un peu s'il y a des maisons, là il pourrait en avoir. On va monter en haut. On va monter vers là-haut. Ok, donc là du coup, on a une mitraillette coup par coup. Et du coup on peut prendre un gun aussi. Du coup on a 3 armes, ça c'est pas mal. Je crois... Ok. Pour prendre le gain, il faut faire 2 fois très bien assez rapidement. Donc
Là, une fois et là, deux fois. Ok. Très bien. Donc, écoutez, on va monter. Voilà, du coup, à la tempête de feu. Elle est déjà bonne, hein, vous voyez bien quand même. Là, c'est quoi là? Je sais pas ce que c'est. Et du coup, ouais, c'est vraiment neige quoi. C'est vraiment. La map, elle est vraiment neigée. Et c'est ce qui rend bien en vrai. Moi, je trouve ça c'est joli. En plus, surtout Battlefield là, avec leur graphisme. C'est vraiment beau. Là, du coup, j'ai entendu dire, je pense que c'est un dessin de maison. On va prendre Asten parce que je pense que je vais jouer corps à corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai pas la pression. MP40. Non, j'ai déjà la stèle de toute façon. Ici, est-ce qu'on peut trouver des viseurs? Un pompe. Est-ce qu'on peut trouver des viseurs genre comme ça? Oh, la STG, nice. Prendre une petite STG. Un sac. Oh! En rose. Il y a un viseur, j'espère. Ouais, il y a un viseur. Oula! Ah, pour un viseur, c'est un viseur. Bon, bah écoutez, on va prendre ça du coup. Des munitions, des munitions. Ok, je suis à fond. Ok, ok. Bon, bah écoutez, du coup, j'ai posé mon arme longue distance. Et. Du coup, j'ai la mitraillette. J'ai pas envie de me faire tuer dans le dos parce que c'est ça qui est chiant aussi. Quand t'es en. Quand tu trouves du bon stuff et tout, c'est relou de mourir comme ça dans le dos. Par contre, c'est bizarre pour le bandage parce que, du coup, au niveau de ma ville, le bandage il est pas, enfin, il est pas tout au fond. Je sais pas s'il y a un bon cœur, mais je crois que la tempête elle arrive. Ouais, la tempête arrive, allez, on va se tailler. On va se tailler, on a pas le temps, on a plus plein de stuff, de toute façon, on est plutôt bien. Ah ouais, il y a un hélico, ouais, mec. Entente ou pas? Ah non, pas vraiment fait ce que je voulais que ça fasse. Ah, le mec a sauté. Il y a un mec en dessous. Pourquoi je l'ai pas tué là? Bah. Merde, du coup, je suis repéré par tout le monde en fait. Ok, premier kill. Mais qui premier. Je sais pas si j'ai tué l'autre. Une élimination, non, j'ai pas tué. Pourquoi il y a des drapeaux? Pourquoi il y a des drapeaux? Ok. Ok, c'est pas lui que j'ai tiré dessus. Hop, toi tu meurs. Il est visé le mec que j'ai tiré du coup. Je sais pas où il est, mais je suis sûr que quand je vais prendre son stuff au mec, il va venir. C'est sûr à 100%. Après c'était lui hein. Je pense que c'était lui, moi je pense que c'était lui, ouais, ouais. On va dire que c'était lui. Hop, on masse les munitions vite fait, tac 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 tac. Là, je suis déjà à fond. Y'a pas un sac purant. Des plaques de métal, je suis à fond. Non, je suis déjà à fond, ok. Pourquoi y'a des drapeaux? Je comprends pas. Enfin, des drapeaux, non, mais y'a ABC sur la map. Alors, c'était juste des zones qui doivent se fermer, ou les hangars peut-être, parce qu'il y avait des portes d'hangars. Je ne sais pas. Ok, bon, écoutez, j'ai fait deux kills. Je sais pas, parce qu'en fait. Le deuxième mec là, je sais pas, il visait à. Donc peut-être il m'attendait en fait. Et du coup, ouais, je pense qu'il devait m'attendre. Allez hop, ça dégage. Ça, prends un chez Watt. Je mets ça. Vous imaginez un peu le blindage, je fais juste des plaques de métal quoi. C'est ouf le mec. Ok, ça, ça. Je sais vraiment pas ce qu'il faut prendre ou pas. Là, je fais carré parce que du coup, quand on fait carré plusieurs fois, c'est juste les munitions ou les trucs comme ça
Ah non, là j'ai pas dans ça. J'aime bien mes STG moi. Hop. Ok, là on est plutôt bien, on a fait 3 kills. Même si on meurt maintenant, on a rien à foutre. Non, c'est cool, si on peut faire top 1. Et là c'est que du solo, hein. C'est vraiment que du solo. J'ai l'impression d'entendre une deuxième personne à côté de moi quand on est dans la neige. Ok, encore, je pense que je vais peut-être aller essayer d'aller voir qu'est-ce que c'est le. Ah, mais c'était. Ah, mais c'était du. C'était un largage en fait. C'était un largage, il y a peut-être des largages aussi dans le jeu. Bah, je pense de toute façon. Ça doit être ça, ça doit être ça. Est-ce qu'on peut prendre des. Ouais, un avion. Ouais, il a posé un largage. Et voilà, et voilà. Bah voilà, ça m'apprendra. Ça m'apprendra parce que du coup, je voulais voir. Mais moi, je suis en totale découverte. Du coup, je voulais voir que ça. Ah, mais j'aurais dû. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû. Du coup, je suis mort bêtement. J'ai même pas eu le temps de faire. Bon, après, c'est comme ça, c'est dur. Mais en fait, je voulais voir. Qu'est-ce que c'est? Parce que du coup, là, le largage, il a pas. Je crois pas qu'il est sur la zone B, donc je sais pas vraiment ce que c'est. Bon, bah écoutez, tant pis. Tant pis, on est mort. On a fait au moins 3 kills, hein. Je pense qu'on a quand même découvert le mode du coup. Après, ouais, j'ai pas tout trouvé, mais avoir. En vrai, mais en tout cas, le mode est. En vrai, il est bien. Non, en vrai, moi j'aime bien. Après, voilà, après, ça dépend en faisant plusieurs parties. Mais le mode de jeu, il est vraiment cool pour de vrai. Bon, bah, du coup, j'ai fait que 3 éliminations, mais c'est déjà ça. Bah écoutez. On se retrouve du coup pour de prochaines vidéos, donc bien sûr sur ce mode de jeu parce que Firestorm il est vraiment vraiment stylé. Moi j'aime beaucoup. Après à voir, en vrai à voir, mais là c'est que la première partie donc c'est un peu normal que voilà je le trouve que ce soit positif, mais à voir. Et du coup bah écoutez, on va s'arrêter là du coup pour la vidéo. Il y aura d'autres vidéos aussi sur Battlefield parce que je viens de l'acheter, je l'ai acheté bah, hier, j'ai acheté hier Battlefield 5 qui était en promo Special Store donc. J'ai acheté hier et du coup, bah pour l'instant, voilà, je suis niveau 11 et je ferai du coup aussi des niveaux, enfin des vidéos sur le multijoueur. Donc voilà, c'est la fin, les gens. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager et puis voilà, c'est la fin, les gens. Tchuss!